Hello! Je vous avais dit que j'allais au Primark à Metz pour faire les soldes et finalement on s'est retrouvé à Liège en Belgique. Donc il n'y avait pas encore les soldes le jour où j'ai été puisque j'ai été le 29 juin et les soldes en Belgique ne commencent que le 3 juillet. Donc je n'ai pas de produits en solde mais j'ai quand même trouvé de quoi dépenser de l'argent. Je vais d'abord vous montrer les achats de mon fils puisque le plus jeune de 12 ans est venu avec nous et du coup il s'est trouvé plein de t-shirts. Et des shorts, il y en a un que je vais pas vous montrer parce qu'il est sur son cul actuellement. Ça vous fait quand même une petite idée. Je me suis dit autant inclure les objets pour mon fils aussi puisque je suis sûrement pas la seule à avoir un adolescent à la maison. Donc d'abord il s'est pris un t-shirt Dragon Ball Z. Voilà, il est comme ça. Donc en sachant que mon fils est assez costaud, là il l'a pris en L. Moi normalement je prends du M mais c'est vrai qu'il est pas super large en fait au final. Donc, il a pris en L. C'est lui qui a choisi et il a payé, enfin, c'est nous qui avons payé, mais c'est lui qui l'a choisi, 7 €. Voilà. Alors, pour les shorts qu'il a pris, d'abord, on a trouvé un short Fortnite. Donc, il était très content. Ici, il l'a pris en L aussi. Donc, vous avez les danses de Fortnite dessus. Il était à 11 €. Donc, c'est un peu plus cher que la moyenne... en principe des produits je vais y arriver, de Primark. Après c'est quand même du Fortnite donc voilà. Alors il a pris celui-ci aussi qui était beaucoup moins cher, qui était à 6 €. Voilà, je le trouve très joli aussi. Alors c'est marqué Miami dessus. Ah non, Mani Aloha. Bon, en tout cas c'est un short hawaïen. Le deuxième est un peu dans le même esprit. Enfin, le troisième short qu'il a pris, et il en voulait un absolument avec des petits canards, mais son père n'a pas voulu qu'il le prenne. Voilà, ensuite il s'est pris, alors j'ai horreur de ce dessin animé là, voilà, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais il s'est pris un t-shirt Rick et Morty. Alors, c'est le deuxième, la première fois qu'on avait été chez Primark, c'était à Marseille, et il avait déjà choisi un t-shirt Rick et Morty. J'ai horreur de ce truc là, c'est affreux. Et dans la dernière fois que j'avais été seule, donc je lui avais rien pris, parce que j'avais rien trouvé d'intéressant en fait. Le chien a déjà mis des poils, alors je sais pas comment ce qu'il peut faire pour mettre des poils sur un truc qui était dans un sac quand même. Donc voilà, par contre les couleurs sont sympas, hein. Et là il l'a pris en taille M parce qu'il est taillé un peu plus grand et le prix était de 10 €. C'est affreux, les dessins sont affreux. Non mais franchement je vais le voir, ici vous avez quand même un cul qui pète quoi. Alors, je comprends pas qu'il aime autant ce truc là. Ensuite il s'est pris un t-shirt Naruto. Voilà, gris avec juste un dessin et celui-ci était à 7 €. Donc ça va, je trouve que pour des t-shirts de marque comme ça, je trouve que c'est sympa. Après, ce que j'aime pas, c'est la matière des dessins. Souvent, ça part au lavage. Et le dernier produit pour mon fils, il s'est pris un t-shirt Fortnite. Évidemment, fallait que ça aille avec le short. Et celui-ci était à 10 € si ma mémoire... Ah non, 8 €. Alors, avant de passer aux fringues et aux soins, je me suis acheté un coussin pour mettre derrière mon dos sur mon bureau en bas. Et il est juste trop haut. C'est une tête de koala. Donc là, on ne voit pas son deuxième yeux. Il est où son deuxième yeux? Attendez, je vais essayer de vous montrer son yeux. Voilà. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Il était à 4 € celui-ci. Ouais. 4 €. J'adore, il est tout doux et je me suis dit voilà, ça fera mignon sur ma chaise en tant que dossier pour ma chaise. Il est trop. Alors bien sûr, dans les fringues, j'ai pas acheté énormément de fringues puisque j'attends d'être à mon poids fixe après ma sleeve. Maintenant, j'ai repris des pyjamas shorts parce que je suis accro aux pyjamas shorts. D'ailleurs là, j'en porte un, je porte mon Stitch que j'ai acheté dans le dernier haul Primark. Donc là j'ai trouvé celui-ci. Donc oui, le Stitch que j'ai là c'est un L et du coup il est trop large. Donc cette fois-ci je les ai pris en M. Alors j'ai trouvé celui-ci avec un petit chien. Enfin j'adore ce logo là, on le voit souvent sur internet. Et le petit short, ben, c'est pareil. Vous avez le même petit chat comme ça transparent avec des couronnes vertes, enfin vert menthe et des roses. Et donc celui-ci était à 7 €. Voilà. Alors,
la deuxième est cachée tout en dessous, donc on fera le reste après. Je me suis pris un leggings, alors c'est dans le section sport, mais moi ça sera pas pour le sport puisque je ne fais plus au sport. On va regarder la personne, mais je me suis pris pour traîner à la maison parce que je le trouve juste trop beau. Voilà, c'est un zébré noir et jaune fluo. Il est vraiment trop beau. Donc le leggings j'ai pris en L par contre parce que c'est une matière vraiment stretch. C'est du spandex, ça me fait penser à, comment c'est là, Professeur Folding. Quand il est Buddy Love avec son spandex. Et celui-ci, je l'ai payé. Je ne trouve pas le Upload. 9 euros. J'ai un petit autocollant ici. Et voilà, ça a un leggings long. Je cherchais après des corsaires, enfin des leggings pantacourt pour l'été et j'en ai pas trouvé. Alors j'ai pris, ça c'est pour ma nièce, donc Cassie, si tu passes par là, ferme tes yeux parce que ça tu peux pas voir et bouge-toi les oreilles d'ailleurs. Pour son anniversaire, je vais pas dire ce que je fais comme cadeau d'anniversaire, mais voilà, pour en plus, pour lui rajouter dans son petit cadeau, je lui ai pris un lot de 4 limes Dumbo. Elles sont trop mignonnes pour 2 euros. Et voilà, comme elle adore prendre soin de ses ongles, je les ai trouvées trop belles. Donc j'ai hésité entre les Dumbo et il y avait aussi la petite sirène, mais j'ai trouvé les Dumbo trop craquants. Dans le dernier haul que j'ai fait Primark, je m'étais acheté deux brassières, une jaune fluo chiné gris comme ça, et une noire multi avec du fluo multicolore dessus. Et là, ils vendaient les culottes assorties, qui n'y étaient pas la dernière fois. Donc j'ai pris quand même pour aller avec ma brassière multicolore. Voilà, j'ai pris des culottes. Donc vous avez trois culottes pour 8 euros. La première à chaque fois correspond à la brassière, donc il y avait la même en... jaune et enfin chiné gris avec une jaune fluo et une noire. Ici vous avez la multicolore, la rose et une noire, et voilà. Et elles ont l'air bien confortables. Qui dit Primark et qui dit aller croc au carnet dit achat d'un carnet. Donc voilà, je m'en suis trouvé un avec des petits swish. Il est à 2,50 €. Donc voilà. Après je préfère ceux avec les anneaux parce que souvent moi j'arrache les pages une fois que. J'en ai plus besoin, mais voilà, je l'ai trouvé trop mignon. Et d'ailleurs, c'était le seul carnet que j'ai trouvé. Alors, attention, le deuxième pyjama short est juste trop craquant. C'est des petits pandas. Le short est rose fluo comme ça, avec des petits pandas, pour 7 euros. Et voilà le dessin du t-shirt. Donc, c'est des Marcel, hein, tout simplement, pour aller au-dessus. Ici, il est comme ça dans le dos. Et voilà, j'ai trouvé trop mignon avec les petits pandas. Il y en avait un avec les ananas aussi, mais je n'ai pas pris finalement, hein, parce que je dis, il ne faut pas exagérer. Mon fils s'est pris aussi pour la rentrée scolaire, vu qu'il rentre en secondaire, et il fallait un portefeuille, donc il a choisi celui-ci à 3 euros. Voilà, c'est un tout simple. Vous avez derrière une tirette, c'est un scratch qui s'ouvre, et voilà. Il doit juste mettre l'argent de ses tickets de dîner, et comment s'appelle, sa carte d'identité, son abonnement de bus, donc ça fera très bien l'affaire. Je me suis pris un petit short pour traîner à la maison parce que forcément c'est des shorts trop courts pour que je puisse les mettre pour sortir puisque j'ai la peau qui commence à pendre au niveau des cuisses, donc c'est très laid et je peux pas mettre de shorts courts, sans compter que j'ai des cicatrices de boutons et compagnie à l'intérieur des cuisses, elles sont très laides mes cuisses, donc c'est vraiment pour traîner à la maison pour quand il fait ces chaleurs là. Et je le trouve trop mignon. Donc c'est un simple gris, voilà, il est très simple, hein, avec le petit logo ici, un peu Beach Club Californien. Et c'est un peu les shorts, un peu style, moi j'appelle ça les pom-pom girls, quoi, les shorts de pom-pom girls. Donc il était à 6 euros. Voilà. Alors j'ai pris un truc que j'aime beaucoup, que je n'ai jamais porté avant, puisque... je trouve qu'il faut une corpulence plus fine que celle que je n'avais avant pour pouvoir mettre ce genre de choses. J'ai pris, alors c'est tout en élastique, mais c'est une jupe crine. Elle est trop belle, donc c'est une basique, hein. Elle est à 5 euros. Et là, je l'ai pris en taille 42. Parce que je me suis dit, la jupe crayon, vaut mieux qu'elle soit un tout petit peu trop large, je l'ai trop étroite, sinon ça va être affreux. Et je me suis dit, pour 5 euros, même si jamais pas très longtemps, ma belle-sœur la récupérera après. Et au pire, je vais même rechercher une taille plus petite. Donc c'est les jupes qui arrivent en dessous du genou, je trouve ça trop sexy. Alors, pour finir dans les fringues, dit-elle avec sa tronche dans le sachet, j'ai acheté une paire de claquettes, sandalettes, je sais pas trop.
comme ceci. Donc c'est juste, c'est des clapettes quoi, vous n'avez rien qui tient votre cheville, mais je les trouve super belles, avec une semelle un peu compensée comme ça, en espèce de faux daim, hein, bien sûr, c'est pas du vrai. Et elles étaient à 6€. Il y avait beaucoup de couleurs, il y avait les mauves un peu comme ça, lilas, il y avait des noirs. Alors je voulais les prendre en noir aussi pour faire un peu plus habillé, mais il n'y avait pas ma pointure. Il restait plus que du 40 et du 41 et quelques 39, mais j'ai perdu déjà une pointure en chaussure et je crois que je suis en train de perdre la deuxième, parce que même le 38 que j'achète maintenant devient un peu grand. Mais voilà, je les ai légèrement essayées, donc j'ai hâte de les mettre au pied plusieurs heures pour voir si je les tiens bien, si elles me font pas mal et tout ça, mais elles sont très jolies. Alors je me suis racheté quelque chose que j'ai cherché depuis très longtemps, qu'avant j'achetais normalement chez Claire's, mais qui sont assez chers chez Claire's, c'est les petits bandeaux comme ça pour dormir. Donc moi je m'en sers pas pour dormir principalement, je m'en sers surtout quand j'ai mal à la tête. Voilà, quand j'ai mal à la tête, il faut que je sois dans le noir total, sinon ça ne passe pas. Et du coup j'ai trouvé, c'était le seul modèle qu'il y avait, donc j'avais pas trop le choix, il est à 3€, je me suis pas privée non plus. Et au final il est quand même mignon, hein. Alors on va terminer parce qu'il y a un peu soin, parce que j'ai pas pris énormément, j'ai pris surtout du backup aux produits que j'aimais, que j'avais acheté dans l'autre haul la dernière fois que j'y suis allée, que j'aimais beaucoup. Je me suis racheté 2 paquets de coton comme ça, parce que vous en avez 100 dedans pour 1,50€, et j'adore ces dés qui ne se divisent pas en deux, puisque c'est pour ça que je n'achète pas ceux du Action, je ne les aime pas parce qu'ils se séparent. Ceux avant chez Kreutzwald ne se séparaient pas non plus, maintenant ils commencent aussi, c'est plus les mêmes cotons. Ici, ils sont vraiment brodés sur le bord, en fait, pour éviter qu'ils se séparent en deux. Et ils ont une taille ovale, donc là, il est un peu écrasé, mais ils ont une taille ovale que je trouve très pratique, sachant que les cotons, moi, je les utilise uniquement pour me mettre l'eau de rose le matin et le soir, et parfois pour me démaquiller quand je maquille que mes yeux. Mais c'est chose très rare. Alors j'ai racheté un backup du fixateur hydrate comme ça, donc il est à 5€. Je l'aime beaucoup, il sent très bon et il fixe très bien le maquillage. Je voulais me reprendre au moins 2 backups de mon spray hydratant que je mets avant de mettre ma base à make-up au watermelon. Malheureusement elle n'y était plus, donc j'ai pris la classique, c'est la primer water tout simplement, qui est au même prix, 3€. Et une fois que j'aurai un peu plus vidé ma watermelon, je pense que je transviderai celle-ci dedans, parce qu'elle sent, elle a une odeur, elle sent juste un peu le frais en fait, elle est très légèrement watermelonnée, on sent un tout petit arrière, une petite arrière-odeur comme ça de watermelon, de frais, mais elle sent beaucoup moins que l'autre, et du coup je pense que je mélangerai les deux, puisque pour moi c'est les deux mêmes, sauf que l'autre il y a du parfum en plus dedans que celle-ci. Je me suis pris un pot de la crème pour les yeux. Voilà, j'adore cette crème pour les yeux. C'est la même pour moi. Elle est identique à celle de chez The Body Shop. Donc c'est hydratante, vitamine E et de la rose organique. Sans parfum, pour tout type de peau, même sensitive. Enfin, même sensible. Donc vous avez dedans 15 ml pour 2,50€ et je trouve cette crème très bien. Donc là j'en ai pris qu'une parce que je pense qu'on va essayer de retourner tous les 3-4 mois, peut-être 6 mois au Primark. Et du coup celle que j'ai de chez Tati, j'aime énormément aussi. Donc là c'est juste pour avoir une de backup. Alors j'ai trouvé le produit que je n'avais pas trouvé la dernière fois, c'est-à-dire que c'était la brume hydratante. Juste que quand j'ai vu la taille j'ai halluciné, parce que je me suis dit ouais, 1,50€ pour une brume hydratante alors que je les paye au minimum 8-10€. Oula la taille quoi. Par rapport à ma tête, ben bon, vous avez 50 ml dedans pour 1,50€, donc c'est quand même pas très cher, en sachant que les révolutions que j'achète, elles sont à 6,99€ pour 100 ml. Donc sur celle-ci reviennent quand même moins chères. Après, je sais pas si elles partent aussi vite ou pas que les autres, parce que les révolutions tiennent quand même pas mal de temps. Donc là, j'en ai pris 3, voilà. Et pour terminer, j'ai pris un produit que je ne sais pas du tout si je vais réussir à utiliser. Voilà, je ne sais pas du tout s'il va pouvoir me sauver la mise comme je le pense. En tout cas, j'espère. C'est le Custom Drop pour foncer les fonds de teint. Puisque si vous suivez mes aventures, mon fond de teint Révolution était déjà trop clair à la base. Maintenant, c'est juste importable.
Donc c'est pour foncer le fond de teint. Il était à 9 euros. Je me dis, bon, après, s'il n'est pas efficace, ça fait un peu moins suer que d'acheter un 15 euros. Vous avez également le même pour éclaircir. Mais alors, quand vous voyez la couleur, je vais vous mettre juste un tout petit peu sur la main. Voilà. Non, mais voilà quoi. Je sais pas du tout comment je vais utiliser ça. Je sais pas si je dois mixer dans mon fond de teint sur le dos de ma main ou si je peux mettre mon fond de teint, mettre quelques gouttes comme ça, puis étaler au Beauty Blender après. Mais là, je peux pas. Non, mais voilà quoi. Voilà. Limite, c'est un fond de teint pour ma belle-sœur. Et encore, je suis sûre que même pour elle, elle est trop bronzée. Et ben voilà, ça conclut déjà ce haul. Donc vous voyez que j'ai pas exagéré. J'ai pris un t-shirt licorne aussi à ma filleule, puisqu'elle était avec nous. Et il est trop beau. On en a eu en tout à peu près pour 150 euros. Donc je trouve que c'est une très bonne moyenne pour les deux sacs qu'on avait. Bon, après, deux sacs n'étaient pas remplis, puisque moi j'ai réussi à en remplir un avec les deux. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Et pendant les soldes, par contre, je ne sais pas du tout ce que ça vaut parce que j'ai jamais fait les soldes chez Primark. Donc n'hésitez pas à me dire s'ils font vraiment des très bonnes réductions. Je serais curieuse. Maintenant, est-ce que mon mari acceptera de m'y emmener pendant les soldes? J'en doute. Mon mari a horreur de ce magasin. Et il y a les soldes, j'aime pas non plus parce que c'est pas la porte à côté, en sachant qu'on a soit une heure et demie, suivant de quel côté on va. Une heure pour la France, une heure et demie pour la Belgique, voire 1h45 pour la Belgique. Donc j'aime pas trop y aller seule, mais voilà, j'espère que j'arriverai à... Parce que mon mari m'emmène quand même voir les soldes en France, on verra bien. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, si les soldes valent vraiment le coup chez Primark, quels sont les produits que vous utilisez, surtout les produits soins et tout ça, parce qu'ils sont vraiment pas chers. Et moi, je vous dis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.